Hey, bonjour tout le monde, c'est MVL85, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, le tutoriel 48, pour savoir comment éviter que mon PC soit lent. Donc ce tutoriel est un complément correspondant au tutoriel 32 que j'avais fait, faire partir un écran blanc sur internet, PC lent qui rame. Donc n'hésitez pas à consulter ce tutoriel. Voilà, donc aujourd'hui on va voir deux méthodes. Alors la première méthode sera en passant par les paramètres de votre PC, et la deuxième méthode sera par la configuration Microsoft Configuration. Voilà. Donc, première méthode. Alors, la première méthode, pour Windows 7, ici, je vais montrer pour Windows 7, en fait, vous faites logo démarrer, ensuite, vous faites propriété système qui sera situé en haut, vous verrez, il y aura une barre, en dessous la barre de menu, enfin, la barre de l'outil, ça sera marqué propriété système. Donc, vous cliquez dessus, et ensuite, vous verrez apparaître cette page-là avec marqué paramètres système avancé. Voilà pour Windows 7. Pour Windows 6, pour Windows 10, maintenant, pour y accéder, en fait, à cette page-là, il faudra faire le logo démarrer, ensuite vous irez sur explorateur de fichiers, ensuite attendez deux têtes, il me semble, voilà, vous irez sur ce PC, ça sera situé à gauche, ensuite vous aurez propriété système qui sera situé en haut à droite de l'écran, vous verrez, vous cliquez dessus et vous aurez cette page, la même page que ça, s'afficher avec paramètres système avancé. Donc là les deux éléments, que ce soit sur Windows 7, Windows 10 ou autre chose, même Vista et tout ça, vous cliquez dessus, paf, et vous aurez ce tableau qui va s'afficher. Une fois que ça s'ouvre, vous allez dans Performance, Paramètres, vous cliquez ici sur Paramètres, et là vous cochez, Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, c'est mis sur les paramètres par défaut, et donc justement, il y a des choses qui sont inutiles. Donc, par exemple, des ombrages ou autre chose. Donc, il y a des éléments, quand vous allez cliquer ici, c'est normal, hein, il y a des éléments qui vont changer, des éléments graphiques qui vont changer, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, vous décochez vraiment l'ensemble des choses qui ne vous paraissent pas utiles, on va dire. Donc, il se peut que, selon votre configuration graphique, etc., etc., il y a des éléments qui changent. Mais bon, ceci vous permet de gagner de la performance. Hein. Donc, vous voyez, moi, je le fais sur mon PC, et c'est pas pour ça que... C'est pas pour ça que c'est que l'aspect est, on va dire entre parenthèses, dégueulasse. Voilà. Donc ceci vous permet en fait de mieux optimiser la fluidité en fait de votre PC. Voilà pour la méthode 1. Alors pour la méthode 2, en fait vous passez par le logo démarrer. Alors sur Windows 10, hein, c'est pareil, vous irez sur ce PC et vous tapez dans le champ recherché ceci. Donc MS config. Donc ça, configuration. Voilà. Une fois que vous avez tapé ça, vous allez voir ça qui s'affiche, vous l'exécutez, donc vous cliquez dessus, tac, là, il va s'ouvrir. Une fois qu'il s'ouvre, en fait, vous aurez plusieurs onglets, général, démarrer, service, démarrage, etc., etc., enfin, outils. Vous cliquez sur démarrage. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez plusieurs éléments de votre PC, plusieurs applications, tout ça qui sont là. Donc, moi, ce que je vous conseille, en premier lieu, c'est de tout ce que vous connaissez, vous laissez cocher. Tout ce que vous connaissez et que qui vous paraît utile, hein, bien évidemment, vous le laissez cocher, puisqu'en fait, les trois quarts du temps, par exemple, tout ce qui concerne, par exemple, si c'est un PC Acer ou quoi que ce soit, tout ce qui concerne Acer, vous laissez activer. Ensuite, tout ce qui concerne les antivirus, vous laissez activer. Si vous avez Avast ou autre chose, vous laissez activer. Si c'est Java, vous laissez activer, c'est pour Internet Explorer, tout ça. Voilà. Après, il y a tout ce qui est Wi-Fi, bah, également, hein, ça va de soi. Tout ce qui, par contre, n'a des configurations que vous ne connaissez pas, vous n'y touchez pas. Et par contre, tout le reste des logiciels, par exemple, moi, j'ai EZ partition, qui n'est pas forcément nécessaire, on va dire, au démarrage. Mais moi je m'en sers régulièrement, donc c'est pour ça. Donc, vous pourrez aller voir un tuto. Hein, j'avais fait un tuto là-dessus aussi, ça peut être intéressant pour certains. Ça peut toujours dépanner. Donc voilà, ben dans ce cas-là, vous décochez. Hein, et ensuite, vous faites appliquer et OK. Voilà. Donc ceci, en fait, ces deux techniques vous permettront d'optimiser votre PC, donc la fluidité de votre PC, à votre RAM, tout ça. Et n'hésitez pas à consulter également le tuto 32 qui est un complément, hein, je vous l'ai dit. Et puis, voir mes autres vidéos si ça vous a plu. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager ou à vous abonner tout simplement à ma chaîne. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos.